Wesh les amis, alors dans cette vidéo on va se demander comment le PS est en train de flinguer Benoît Hamon dans le dos. Parce que Benoît Hamon a gagné une primaire qui devait départager deux grandes orientations à l'intérieur de la famille socialiste, c'est-à-dire ceux qui se placent en héritier de François Hollande et qui acceptent le bilan de ce quinquennat, et ceux qui sont plus en rupture sur une ligne plus à gauche et qui sont censés être plus redistributifs et pour davantage d'égalité. Et Benoît Hamon, il a gagné cette primaire, et assez largement. Il y a eu plus de 2 millions de votants et il a eu à peu près 59% des suffrages. Donc il a gagné largement et normalement, l'ensemble des candidats à la primaire et l'ensemble du Parti Socialiste auraient dû le soutenir en marche, tu vois, en rang d'oignon, et être tous derrière lui à faire campagne et à le porter sa candidature. Mais on va voir dans cette vidéo que c'est très 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 loin d'être le cas. Alors premier truc, et c'est déjà énorme, c'est Manuel Valls, il est arrivé deuxième à la primaire avec 40% des suffrages, et ce mec-là a déclaré à demi-mot, et les médias sont tombés dans le panneau de sa communication, qu'il pouvait pas donner son parrain nage à Hamon, parce qu'apparemment, le fait qu'il ait gagné une élection, ça compte pas, et pire, qu'il fallait faire barrage et empêcher absolument un second tour Fillon-Le Pen. Donc, en gros, il soutient Macron, il le dit quasiment clairement, et les médias refusent de titrer comme ça et restent dans la nuance. Donc, Manuel Valls, le deuxième qui va soutenir Macron, c'est déjà mammouth. Ensuite, il y a un autre ministre, là, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense pendant 5 ans du quinquennat de Hollande, et pas mal d'autres cadres socialistes qui avouent soutenir Macron. Il y a aussi près de 15% des députés socialistes actuels qui déclarent leur soutien à Emmanuel Macron, et pire du pire du pire, ça c'est le comble du comble, il y a le secrétaire général du parti de Macron En Marche, qui est encore au PS et qui est même investi aux législatives pour le PS, et un des porte-parole d'Emmanuel Macron qui lui aussi est investi aux législatives, c'est-à-dire qui est candidat PS aux législatives. Donc c'est complètement dingue, on marche sur la tête, il y a une fraction importante du parti socialiste qui s'assoit sur le résultat d'une élection qui a mobilisé 2 millions d'électeurs pour soutenir un autre candidat par petit calcul politicien. Évidemment, tout ça, c'est interdit par les statuts du parti. On peut pas appeler à voter en étant au Parti Socialiste pour un autre candidat que celui du Parti Socialiste. D'ailleurs, si jamais c'était Valls qui avait gagné la primaire et que Hamon dit « je peux pas parrainer Valls, mais je vais soutenir Mélenchon en scred », et en 5 secondes, il aurait été exclu. Et là, qu'est-ce que fait Jean-Christophe Cambadélis, le chef du Parti Socialiste, le premier secrétaire? Il fait rien du tout. Il y a eu quelques déclarations creuse, mais personne n'a été exclu. Tous les candidats aux législatives Parti Socialiste qui soutiennent Macron ont encore l'étiquette Parti Socialiste, donc c'est vraiment abusé. Pourquoi ils font ça? D'abord, parce que l'aile droite du Parti Socialiste a exactement les mêmes idées qu'Emmanuel Macron, puisqu'Emmanuel Macron, il a quand même été 5 ans main dans la main dans le gouvernement de François Hollande, donc c'est normal qu'ils se reconnaissent. Donc il y a d'abord une affinité d'idées politiques et de projets, d'abord. Ensuite, il y a un calcul un peu plus mesquin, parce que Emmanuel Macron, il est le candidat du mouvement En Marche. Mais un mouvement qui va présenter des candidats aux législatives, ça s'appelle un parti politique. Et le parti politique En Marche, il réussira pas à avoir la majorité des sièges à l'Assemblée législative, à l'Assemblée nationale, parce que c'est un parti trop neuf, les candidats sont pas implantés, donc ça marchera pas. Donc pour former un gouvernement qui soit raccord avec ses idées, le parti d'Emmanuel Macron va devoir faire des alliances. Et qui de mieux pour s'allier que les anciens copains de l'aile droite du Parti Socialiste? Et donc c'est pour ça que Cambadélis, Valls et pas mal d'autres ministres et cadres socialistes sont très doux avec Emmanuel Macron et plantent des couteaux dans le dos ou laissent aimablement Benoît Hamon se planter pour être sûr d'avoir une belle place dans le gouvernement et la majorité du futur président Macron. C'est ça leur pari et c'est ça leur intérêt. Quand on voit l'ampleur et le nombre de couteaux dans le dos qui se prend Benoît Hamon et à quel point est-ce que le Parti Socialiste crache sur un choix démocratique, on peut se demander comment c'est possible que tout ça tienne et qu'il n'y ait pas de sanctions beaucoup plus fortes. Et bien là, il faut bien comprendre un truc. Benoît Hamon, il a gagné la primaire, mais il n'a pas gagné le Parti Socialiste. Et ça, c'est décisif. Parce que le Conseil National, donc c'est un peu le conseil des dirigeants du Parti Socialiste, il n'est pas acquis à Benoît Hamon, et loin de là. C'est pour ça que Cambadélis, le chef des socialistes, il en a rien à branler. Et autre chose décisive, les candidats Parti Socialiste aux élections législatives, ils sont déjà désignés. Il y a déjà plus de 400 candidats PS déjà investis et désignés par le parti. Et il y a un type, d'ailleurs merci à lui, mais vraiment on s'incline, il y a un blogueur qui a regardé finement qui était investi par le Parti Socialiste
socialistes en date du 1er mars. Et qu'est-ce qu'ils avaient voté avant? Quelle motion à l'intérieur du parti? Et quel vote quand ils étaient, s'ils étaient déjà députés pendant la mandature de François Hollande? Et là, quand on regarde ça, eh ben on voit qu'il y a au minimum du minimum, il fait vraiment un calcul conservateur, 65% des 400 députés déjà investis qui ont voté tous les textes de François Hollande. Le CICE, la non-renégociation des traités européens, le pacte de responsabilité, la loi El Khomri, il y en a vraiment plein qui ont voté tout le socle qui constitue l'aile droite du Parti Socialiste et le cœur du programme d'Emmanuel Macron. Donc Benoît Hamon, il a ni les instances dirigeantes du parti, ni les députés déjà, enfin les candidats déjà investis aux élections législatives pour le Parti Socialiste. Donc en fait, il a les mains liées. Donc si vous voulez voter pour Hamon, dites-vous que c'est possible, mais que la majorité, même largement, la large majorité des députés, si jamais il gagne les législatives, qui formeront sa majorité, ben, ne sont pas d'accord avec lui et font des choix de politique différents et même pour certains, parient sur un autre candidat que lui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est face à des gens qui ont l'air d'en avoir rien à foutre de la démocratie. On a d'abord Valls et pas mal d'autres gens qui s'en foutent d'avoir perdu à une élection et méprisent radicalement le vote de 2 millions de personnes, donc c'est gravissime, mais il y a pire encore. Le pire encore, c'est que l'institution PS elle-même, le Parti Socialiste, au lieu de dire « Ok, vous n'avez pas respecté les règles de jeu et vous soutenez un candidat, vous appelez publiquement à soutenir un candidat qui est adversaire d'une autre, vous êtes même porte-parole dans les médias ou directeur de son parti politique, hein, c'est le cas tout ça, vous faites tout ça, c'est possible, alors on vous exclut du Parti Socialiste et on est très ferme là-dessus. » Et le Parti Socialiste, au lieu de faire ça, ils ferment les yeux, ils encouragent, ils manœuvrent et ils continuent à faire leur combine à l'ancienne. Et ça, c'est dégueulasse parce que c'est le Parti Socialiste lui-même qui crache sur les 2 millions de votants de son putain, de sa putain d'élection, de leur putain de primaire. Donc on voit que le PS est encore bien englué dans la politique des magouilles et n'a absolument aucun problème à s'asseoir sur un vote démocratique, donc un bon garde-la-pêche à tous ceux qui font la campagne de Hamon ou se sont engagés dans les primaires et ont soutenu cette candidature parce qu'elle se fait torpiller de partout, elle a plus aucun sens. N'hésitez pas à faire tourner le message pour que le maximum de gens ouvrent les yeux. Et puis, c'est le moment de s'abonner à notre chaîne et de cliquer pour voir toutes les notifications parce que pendant ce dernier mois, on va pas se priver de décortiquer les présidentielles candidat après candidat. À bientôt les copains et courage aux hamonistes.